C'est un bistrot un peu vieillot qui sent le vin rouge et le pain au pavot. En plein milieu de nulle part, on y refait le monde comme dans tous les bars. On y trouve les perdus, les apatrides, les rejetés de ce monde avide. Même le patron arbore fièrement tous ces arrêtés d'expulsion. Mais on est tous de bons vivants au rendez-vous des étrangers. On croise souvent le vieux Simon qui nous explique avec passion que la vérité n'est pas que ce qu'on voit, que les rêves sont aussi notre moi. Ça fait marrer Albert le dingue, il ne fait pas souvent la bringue. Avec ses cheveux blancs et sa moustache, il a pas la gueule à la tâche. Son job c'est d'écrire à la craie le menu du rendez-vous des étrangers. Les deux copains, Théo et Karl, s'engueulent en buvant au comptoir à propos d'un monde idéal où les rêves ne seraient plus une fable. Karl est certain que c'est possible, frontière rimera avec souvenir. Mais Théo s'énerve car il voudrait fonder une nation d'étrangers. Ouais, on a souvent de drôles d'idées au rendez-vous des étrangers. Il y a les artistes, les saltimbanques qui parfois viennent pour qu'on y danse, pour oublier le temps d'une transe que personne ne peut nous comprendre. Bobby, Catherine, Serge et Léo comptent des histoires où les héros ne sont pas forts, car ils sont tristes d'être si seuls sur leur piste. J'avoue, c'est pas tous les jours gay au rendez-vous des étrangers. Une folle rumeur qui m'a touché droit au cœur, c'est que partout dans toutes les villes, dans les campagnes et sur les cimes, au bord de la mer, même dans la jungle, ce genre de bistrot est commun. Tu peux demander si t'es sans un peu de pain, un peu de vin, personne ne te laissera crever au rendez-vous des étrangers. Révolution, mon amour, toi qui es communiste, mitterrandiste, marxiste, léniniste, guévariste, anarchiste ou bien trotskiste, industriel, national, informatique, technologique, socialiste, 68, art, crypto, gauchiste, capitaliste, économique, financière, sandiniste, révolutionnaire. Est-ce une révolution? Est-ce une révolution? Est-ce une révolution? Non, c'est juste une révolte. Est-ce une révolution? Est-ce une révolution? Est-ce une révolution? Non, c'est juste une révolte. Révolution, mon amour, combien de temps doit-on attendre? Le lendemain qui chante les petits matins, c'est du grand soir, la fin d'un monde, le début de celui-là, le temps des cerises. Autogestion, l'été, le printemps, mai 2008, cet horizon, ce truc très loin ou pas assez, les élections, la providence, le messie, le bus, le train ou le taxi. Est-ce une révolution? Est-ce une révolution? Est-ce une révolution? Non, c'est juste une révolte.